s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 71. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 71. Nous lisons la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu bénisse son serviteur, notre pasteur. Que le Seigneur l'utilise encore ce matin pour notre bénédiction. Psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile. Où je puisse toujours me retirer, tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'a fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne ». Poursuivez-le, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, que tu es, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. Que tout genou fléchit, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Thank you.
notre Père et notre Dieu. Merci encore pour ces instants bénis que tu nous donnes, mon roi. Ton nom encore aujourd'hui et d'exalter encore de tout notre cœur pour ta bonté à notre endroit, les souffles de vie que tu nous as donné, Seigneur. Nous l'avons entendu dans la parole, Père Tout-Puissant, Dieu, qui est vraiment semblable à toi, mon Sauveur. C'est toi qui nous relève. Tu es notre appui sûr et certain, Seigneur. Et nous sommes certains avec toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous avançons avec certitude, mon roi. Oh Dieu, que peuvent nous faire des hommes, mon roi, si toi, tu es avec nous, mon bien-aimé, Seigneur Jésus. Mais voici ton peuple, bien-aimé, Père Saint-Dieu, qui se tient aussi devant ton trône de grâce. Oh Dieu, en ces jours, pour te remercier vraiment des fins fonds de notre cœur, Père Saint-Dieu, pour ta bonté à notre endroit, pour tes merveilles et tes compassions, Seigneur Jésus, d'avoir conservé encore nos jours, Père Père Saint-Dieu, jusqu'à ces jours, mon roi, d'avoir protégé nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu, nos familles, mon roi. Tu es vraiment digne que ce matin nous puissions t'adorer, te donner vraiment du temps, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, te dire combien tu es merveilleux, ça va. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour les chants et les cantiques, pour les psaumes, pour les témoignages, ce que tu as fait pour nos frères et nos sœurs, mon roi, Seigneur, qui pouvait le faire si ce n'était que toi, mon Seigneur. Sois donc exalté encore aujourd'hui, Père. Nous sommes heureux parce que tu vis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes aussi heureux parce que tu nous parles, mon roi. Nous sommes heureux parce que tu veilles sur nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux parce que tu pourvois aussi pour nos besoins. Merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons prié, Père, en pensant aussi à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion encore aujourd'hui, Père, dans le lieu où se trouve encore aujourd'hui mon Sauveur, qu'ils soient aussi bénis, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ses merveilles et ses compassions à notre endroit. C'est un jour un peu spécial. Donc nous voulons vraiment donner du temps au Seigneur au travers des chants et des cantiques pour lui exprimer beaucoup de reconnaissance. Et il en a le droit. Il est digne de recevoir ses honneurs de la part de ses créatures qu'il a eu à pouvoir former de lui-même et qu'il a aussi sauvé aussi. Et nous sommes vraiment heureux et nous le remercions de ce qu'il a fait de nous aussi, de pèlerins, de voyageurs et des étrangers sur cette terre. Nous avons moins ouvert les yeux pour que nous puissions réaliser que ce monde n'est pas notre endroit et que réellement que nous devons nous préparer pour pouvoir vraiment retourner là où nous étions. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de ce qu'il a payé le prix pour que nous puissions vraiment être délivrés de l'attachement dans lequel nous étions, de l'esclavage dans lequel nous étions effectivement parce que nous étions vraiment des esclaves. Faisant effectivement les choses comme le monde le demande, les rudiments de ce monde, mais il nous a vraiment accordé la grâce de pouvoir être délivrés. Et nous avons apprécié cette grâce. C'est pour ça que nous lui avons donné aussi nos cœurs. En retour, et lui implorant aussi la grâce de nous aider à ce que nous puissions lui être obéissants et le remercier pour tout ce qu'il a fait aussi, de pouvoir aussi nous aider à ce que nous puissions vraiment obéir à sa parole. Nous le remercions de tout notre cœur pour tout ce qu'il fait, de nous avoir fait passer aussi de 2023 à 2024. Et nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur parce que nous savons qu'avec lui, nous ferons des exploits. Certainement, sans l'ombre d'un doute, nous en avons l'assurance et la certitude. Il bénira, amen. Il multipliera, amen. Il pourvoira, amen. Il fera, il guérira, il va donner tout ce que nous avons. Parce qu'il a dit, à tes résolutions, répondra le succès. Nous le remercions pour cela. Il sera toujours notre lumière. Nous nous accrochons à lui parce que nous savons que les débuts d'année et tout ce parcours, effectivement, les diables s'étarguent aussi. Mais nous avons l'assurance que le Seigneur est avec nous et sera aussi avec nous. Le Seigneur bénit chacun de vous tous. Et nous sommes heureux de pouvoir accueillir ceux qui sont aussi venus et qui sont aussi en chemin pour venir aussi. Et que Dieu les bénisse aussi et qu'il les garde et les protège aussi. Et tous ceux qui sont déjà arrivés aussi, que Dieu vous bénisse tous. Je crois que vous avez vu aussi la joie que de nos cœurs aussi pour notre sœur Sonia qui est venue aujourd'hui.
avec son fils et sa fille. Vous l'avez déjà vu, non? Ok, avec ses petits-enfants aussi. C'est un bonheur pour notre sœur et une reconnaissance à l'endroit du Seigneur d'avoir permis avec Jean aussi que sa famille soit aussi ici. J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir parler avec son fils et aussi parler aussi avec sa belle-fille. Ils sont vraiment très gentils. Et puis avec ses deux petits-enfants dont vous connaissez, Loane avec la petite aussi, la joie qu'ils ont aussi de pouvoir aussi être dans ces lieux parce que eux ils sont déjà venus. Mais le papa et la maman, c'est la première fois. Et ils étaient heureux de pouvoir aussi être là. Que Dieu le bénisse richement. À vous tous qui êtes venus aussi de loin comme de près. Je crois que notre sœur Jeanne d'Arc est arrivée aussi donc de Vizia, je pense. Elle a fait aller à Lyon, puis revenir à Bruxelles. Que Dieu te bénisse, sœur, et qui te faut ici, nos précieuses sœurs. Et il bénit chacun de vous tous. Peut-être que mes yeux ne voient pas bien. Notre frère de Londres, il faut oublier Londres. Que Dieu te bénisse, mon frère avec. J'ai dit qu'il faut oublier Londres dans le sens que vous devez comprendre. Il nous aime tellement, vraiment tellement, qu'il a traversé la Manche pour venir ici. Et puis quand il est arrivé, il a regardé, il dit en tout cas, moi, plus jamais l'Angleterre. Ça, c'est notre frère Abed. La joie de notre sœur Gloria. Nous remercions. Oui, le Seigneur est bon. Il nous redonne, nos frères. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur. Oui, c'est la joie de cœur de tout le monde. Hein. Vous connaissez Gloria, aussi fidèle. Et maintenant, nous l'avons et nous remercions Dieu pour cela. Et Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Ah, il est merveilleux. Ce que Dieu fait, il fait d'une manière extraordinaire. Ah non, ça c'est... Je pense que Gloria va vous rendre témoignage, mais bon. Et où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là. Gloria n'est pas là. Elle est où, Gloria? Ah oui, mais si elle peut sortir quand même à ça du moment, qu'elle vienne ici comme ça au moins... Dieu est bon. Hein. Avec tout l'amour que nous avons pour le Seigneur, la consécration que nous avons au Seigneur, le Seigneur n'oublie personne. Tout ce que nous faisons, mais quand nous le faisons vraiment de tout notre cœur, le Seigneur prend soin de chacun de nous. Nous avons un Dieu vivant. Et d'une manière tout à fait particulière, c'est la façon de ce Dieu agir à propos de ses enfants, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, rends-nous ton petit témoignage là avec la dame et tout ça, parce que nous sommes arrivés au point que nos cœurs se sont élevés. Voilà. Bon, alors, tu sais comment, hein? C'est ça aussi, hein? C'est bon, Gloria. Micro, je pense qu'il y a un petit souci. Vas-y. Un appartement à louer. Je sais que j'avais cherché beaucoup de fois et... j'arrivais pas à avoir. Et j'ai contacté la dame en allant à l'école. Elle m'a dit, oui, vous pouvez passer me voir. Et quand je suis venue, en fait, j'ai parlé avec elle. Je me suis retrouvée en train de parler avec cette dame, autre chose, rien à voir, avec l'appartement. Alors elle m'a dit,
Moi, je ne vais plus des Africains hein, dans mon appartement parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts. La dame qui était là, elle avait 5 enfants pour 2 chambres. Ça va pas et tout. Avec ma famille, on voulait plus. Mais toi, tu me fais quelque chose, tu me donnes la joie et je sens que c'est toi qui dois avoir cet appartement. Alors, elle me dit, attends, en fait, j'ai 2 appartements. C'est à toi de choisir si tu veux. J'ai fort hésité pour aller visiter l'autre appartement qui était à Vilvoorde parce que je trouvais que c'était loin. Elle m'a dit non, c'est à la gare de Vilvoorde, c'est pas loin. Il y a les bus 58 qui passent jusque là. Je suis quand même allée voir et en arrivant là-bas, l'appartement m'a beaucoup plu. Elle m'a dit non, il n'y a pas que ça. Ben, il y a tout ce que tu veux. En fait, c'est Donc c'est énorme. Disons que si on devait le faire, ça ferait 3 appartements, des 3 chambres au moins chacun. Donc c'était énorme. Je lui ai dit que nous, on avait un projet pour acheter la maison. Est-ce que tu pourras attendre? Elle me dit, tu sais quoi? Je l'avais mis sur... je l'avais donné à l'agence pour vendre. Mais je vais voir avec toi. Comme ça, je vais enlever ça à l'agence. Je vais attendre pour que tu l'achètes. Donc voilà, on a eu l'appartement, donc on a aménagé déjà quelque chose. Et du coup, on a tous les bâtiments, en fait. Voilà. Ok, merci. Je vais vous dire parce qu'il a parlé. Merci beaucoup. Alors, elle cherchait son appartement, vous l'a dit. Il est arrivé, alors la dame, bon, n'était pas tellement enchanté pour donner l'appartement. Et puis il parlait avec elle, puis il a senti, il me dit, mais il y a quelque chose qui vient de toi qui fait que je me sens de pouvoir te donner quand même cet appartement. Alors lorsqu'ils sont partis arriver à cet endroit, et la dame lui dit, voilà, il va monter l'appartement. Et bon, elle était satisfaite, donc rien, elle dit, bon, moi si tu veux, il n'y a pas de problème. L'autre, la personne qui voulait l'avoir, je ne vais pas lui donner, mais je sens que toi, je vais te donner l'appartement. Parce qu'elle m'avait appelé, c'est pour ça que je vous le dis. Et puis après, maintenant, quand c'est arrivé à l'endroit, c'était vraiment un appartement, mais enfin, c'était une maison et tout ça, avec un rez-de-chaussée, mais vraiment immense. Mais alors, si je vous décris la chose qui est là-bas. Alors la dame la regarde, elle dit, bon, dit à la bourrière, elle dit, mais écoute, si tu vois, si tu es intéressé, cette maison ici, je la vends. Puis Gloria, qui était partie pour louer, et puis il dit à la dame, il dit, ben, je suis en cours des études. Et alors, maintenant, je dis, bon, j'ai terminé, bon, voilà, je vais chercher du travail, et puis tout ça, mais j'ai des désirs, il dit, mais est-ce que, bon, ça m'intéresse, mais pour payer tout ça. Alors la dame lui dit, écoute, moi, je t'aime. Je ne sais pas comment, il dit, mais tu me fais du bien. Alors, on va s'arranger. Moi, cette maison ici, si tu veux l'acheter, je suis d'accord. Je vais attendre. Quand tu termines ce que tu dois terminer, quand tu vas prendre ton travail, et alors là, maintenant, tu peux... Je vais enlever la fiche. Donc, déjà maintenant, elle vit dans l'appartement qui se trouve dans sa maison. Écoutez, et la dame lui dit... Si vraiment, je veux bien te donner cette maison. Maintenant, si tu me donnes ne fût-ce qu'un montant de 2 000, 3 000, je bloque tout, alors toi. Ouais, j'ai vu la dame moi-même. Parce qu'elle m'a fait venir d'abord, elle avant de prendre la décision, elle dit, mais je vais quand même demander à papa, viens, si elle peut vraiment. La dame m'a vu, j'ai regardé l'appartement, j'ai regardé l'immeuble, tout ça, les chambres, toutes les pièces, j'ai dit, Gloria, ma chérie. J'ai dit, ça, c'est ce que Dieu te donne. Il dit, est-ce que je dois prendre? J'ai dit, mais prends, ma chérie. Alors, si vous savez, c'est tellement grand. Et puis, il y a d'autres choses qu'il a là-dedans. Alors, il dit, Dieu d'Abraham, tu es bon. Amen. Et c'est comme ça que la dame lui a donné. Et maintenant, j'ai été là-bas pour prier pour l'appartement. Et la même temps aussi. Parce que Dieu lui donne cela, effectivement, sans payer tout. Mais juste à cause de l'amour, à cause de ceci, Dieu a touché le cœur. Et c'est comme cela que son mari est en train d'arriver. Vous comprenez. Quand on est fidèle à Dieu,
le simple nom du Seigneur. Et on fait les choses de tout son cœur, effectivement. Oui, Dieu récompense. Ce sont des choses que l'homme ne peut pas arriver à pouvoir imaginer. Mais que Dieu fait cela pour ses enfants. Une maison dont tu n'as pas l'argent. Les prophètes disent, non, je peux attendre même des années. Aussi longtemps que tu as la patrie, il n'y a pas de problème. Donc je peux enlever. Il a enlevé même les fiches de vendre. Hein. Mais pour nous, on peut remercier le Seigneur. Tendre Père et précieux, ce soir, tu fais vraiment de merveilles, mon roi. Et je te suis vraiment reconnaissant pour cela. Et je rends gloire à ton Saint-Nom. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Et chante ta gloire à toi. Merci pour notre sœur Gloria, mon béni, Père Saint-Dieu. Tu connais l'amour de cet enfant pour toi et que tu la bénisses richement. Et aussi pour son mari, mon béni, Père Saint-Dieu. Traverser l'Angleterre, la Manche, effectivement, pour voir sa femme et sa fille, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il est resté fidèle en s'accrochant à toi. Et tu es celui qui couronne, Père Tibisson, aussi les efforts de tout un chacun. Tu es merveilleux, mon bien-aimé Père Saint. L'homme ne peut pas réaliser cela, mais c'est toi qui le fais, Seigneur Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Béni aussi cette femme, mon bien-aimé Père, dont tu as touché le cœur et qui a voulu faire beaucoup plus que ce que l'homme peut arriver à pouvoir penser, pouvoir faire pour quelqu'un d'autre. Seigneur, c'est parce que tu as vraiment Père Tibisson, tu peux toucher le cœur encore davantage. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah, nous disons à tes résolutions, on répondra. Ce n'est pas encore terminé. Il y a encore une autre édition vraiment spéciale. Alors là, on réserve peut-être qu'il y ait autant. Okay. Non, Dieu fait des grandes choses. Nous le remercions pour sa fidélité. Et ce qu'il attend de nous, ce que nous puissions vraiment nous attacher davantage à lui. Nous ne réalisons pas souvent, effectivement, que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est réel. Nous pataugeons, effectivement, dans des choses tout à fait inutiles dans ce monde. Alors qu'avec Dieu, nous avons vraiment des choses réelles. Ce que nous percevons, effectivement, comme étant une réalité, ce n'est simplement qu'une illusion. Et ça, ce que l'homme ne peut pas arriver à pouvoir vraiment comprendre. Si nous réfléchissons très bien, les maisons que nous avons, ce n'est qu'une illusion. L'argent que nous avons, ce n'est qu'une illusion. Parce que ces choses-là, un jour, ça va disparaître. Ce sont des choses qui sont donc temporaires. Mais nous, on pense que ce sont des choses, effectivement, qui demeurera éternellement. Non, pas du tout, parce que c'est ça ce qu'en fait, les diables veulent nous faire croire, effectivement, pour que nos pensées, ce que nous sommes, effectivement, soient focalisées sur les choses, effectivement, que nous regardons et que nous voyons. C'est pour cela qu'on n'a pas la facilité de pouvoir arriver à pouvoir concevoir que Dieu est vraiment capable de faire beaucoup de choses pour nous. Parce qu'on n'a pas cette conception de l'existence vraiment véritable de ces dieux, parce qu'on est dans le visuel. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure au fils de notre sœur Sonia et aussi à sa belle-fille aussi. J'ai donné simplement des exemples, effectivement, pour démontrer que l'homme marche et pense qu'effectivement que Dieu n'existe pas. Alors que l'évidence de Dieu, effectivement, son existence est sous nos yeux, en fait. Dans tout le coin qu'on peut tourner, et la tête, que ce soit, on tourne la tête vers le bas ou vers le ciel, effectivement, à gauche et à droite, on ne peut que voir que Dieu. Parce que quand tu vois déjà, tu tournes la tête à gauche et à droite, tu vois l'être humain. Bon, l'être humain, il ne peut pas venir des néants. Hein, comme je disais, je leur faisais comprendre que l'être humain est venu d'un être qui l'a conçu, qui a réfléchi. Parce que sur l'homme, il n'y a rien qui manque, tout est vraiment parfait. Rien que ça, déjà, on peut admirer Dieu. Lorsque on peut se regarder que... D'ailleurs, quand tu marches, effectivement, aussi, si tu te mets debout, tu penses, effectivement, c'est au moins tu vas avoir peur de toi-même. À dire, mais comment c'est possible? Réfléchis un tout petit peu. Pose-toi un peu la question, qui tu es? Tu es quelqu'un qui pense, qui réfléchit, effectivement. Mais comment ça se fait que tu réfléchis? Cette réflexion, cette façon de réfléchir vient de toi. Quand tu te regardes, effectivement, quand tu marches, quand tu fais les mouvements et tout ça, effectivement, qu'est-ce qui fait que tu coordonnes tes mouvements à toi? Tu fais des mouvements et des gestes sans même te rendre compte.
Alors, ça veut dire que tu ne contrôles rien. Ce qui veut dire que quelque chose te contrôle. Ce qui te contrôle, c'est l'esprit. Vous pensez que vous avez le contrôle de vous-même. C'est parce que l'homme ne s'arrête pas pour pouvoir réfléchir. Il pense que, ah non, moi je contrôle tout, j'essaie de faire tout ça effectivement. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui te contrôle. Parce que si toi tu te contrôlais, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Prenons, ailleurs, je crois que j'ai eu à pouvoir voir, je crois que c'était, donc, c'était les problèmes de l'alcoolémie ici, en fait, de l'alcool. Il y a une dame, un monsieur qui dit, mais au moins, il y a la porte de ma femme, parce qu'en fait, je ne fais que boire, effectivement, quand je bois, je fais des dégâts, mais je n'arrive pas à pouvoir me contrôler. Alors maintenant, il y a l'alcool qui le contrôle. Alors, cet homme, effectivement, il a besoin d'arrêter l'alcool. Il ne veut plus voir l'alcool. Mais il ne peut pas s'empêcher de boire l'alcool. Mais sa volonté, c'est que je ne le veux pas. Il dit, je n'en veux pas, c'était. Mais quelque part, il y a quelque chose qui le pousse. Il oublie de pouvoir pas l'alcool. C'est pourquoi ils sont des alcooliques. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Et si tu ne te contrôles pas, effectivement, alors qu'est-ce qui te contrôle? Est-ce que quelqu'un peut arriver à pouvoir calculer combien de fois il respire? La respiration au sol. Ah, mais je vois là-bas dans le fond, mais c'est mon cousin là-bas, mais avec sa femme. Oui, mais c'est Serge, non, lève-toi que je vois. C'est bien toi, parce que mes yeux ne voient pas très bien. Mais là, voilà que je suis très content, lève-toi. Que Dieu te bénisse, ah là là. Et voici son épouse, lève-toi, mon chéri, lève-toi. Mais je suis très content, parce que je viens de voir. Et vas-y, donc, ça. Merci de te venir. Oui, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Mais oui, je voyais le regard là-bas, c'est ce moment où je vois bien là. Mais je suis très content de savoir que vous êtes venu. Merci beaucoup. Donc, comme nous disions, que l'homme pense qu'effectivement, qu'il contrôle tout. Il peut se contrôler effectivement d'une certaine manière ou d'une autre. Non, parce qu'en fait, tu as l'impression, si on regarde le monde effectivement aussi, ce monde a une influence en fait. Il y a des choses, par exemple, que le monde t'impose, effectivement, par la publicité, par ceci et cela, que toi, tu ne veux pas. Mais à la fin, tu finis par pouvoir le vouloir. On crée, en fait, de besoins que toi, tu n'en as pas. Mais on t'influence. Prenons, par exemple, quand on crée la publicité, ah, les cigarettes, ça fait pas mal, effectivement, ça fait un style. Toi, tu n'avais pas les désirs de fumer, tu ne savais même pas qu'il faut fumer, effectivement. Mais quand tu as vu cela, et tu as vu les hommes faire effectivement ces dents. Donc, ces désirs te viennent de là. Ah, je vais. Donc, toi, tu ne te contrôlais pas. Tu dis, bon, je veux maintenant parce qu'en fait, on t'a dit que c'est quand même, qu'est-ce qui était bon. Et tu vas, tu saisis la cigarette et tu la fais entrer dans ta bouche. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Tu deviens ce qu'on appelle accro. Accro, ça veut dire qu'effectivement, que je sens que ça me crée des problèmes de santé. Je n'en veux pas, mais je ne peux pas m'en dépasser. Donc, je suis soumis à quelque chose. Parce que si quelqu'un réfléchit un tout petit peu, effectivement, si on réfléchit logiquement, un être humain normal, tu es un homme qui pense, qu'est-ce qu'une fumée peut faire du bien dans ton corps? Fumer. La fumée, c'est quand tu réfléchis un peu, ah je tire, là, c'est comme on appelle, Mais en fait, tu ne réfléchis pas, en fait. Tu avales une fumée, ça te fait parasaisir, parce que tu ne sais pas la manger. Elle rentre chez toi et te laisse du goudron, et puis elle sort par là, ça détruit tout ce que tu as en toi. Donc en fait, en certain moment, maintenant on a même fait trouver une astuce, effectivement, pour décourager les gens, on a mis en fait les poumons pourris, les trucs sur le paquet de cigarettes, pour empêcher que les gens puissent avoir le goût, tout ça. Mais ces gens-là, ils vont dans des magasins, ils voient bien que les paquets, on a mis quelqu'un qui a atteint des cancers, même la mâchoire et des nains, il va acheter. Donc il achète sa mort, quoi. Je dis, mais en ce moment, il faut quand même réfléchir. Alors il me dit, je ne peux pas m'en passer. Il dit, monsieur, mais pourquoi? On va dire, mais je ne peux pas m'en passer, pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui le contrôle. C'est ça, en fait, qui se passe, effectivement. Avec l'être humain. Donc, quand on essaye de pouvoir quand même s'asseoir et qu'on a quand même une conception, on se dit quand même que dans moi, quand même, l'être humain, il y a quelque chose effectivement qui fait que
j'ai le désir de faire le bien. Parce que quelqu'un qui vole, il sait que voler, c'est mal. Et quand il s'assied, effectivement, il peut penser que mais si moi, on me vole, je ne serais pas content. Donc, effectivement, tu as quand même quelque part la conscience de voir se dire que non, quand je fais du mal à quelqu'un, ce n'est pas bon. Parce que si on me le fait, je ne serais pas content. Mais comment ça se fait que tu ne t'arrêtes pas de faire du mal aux autres? Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui me contrôle. En fait, nous sommes des esclaves de quelque chose qui domine sur nous. Alors, dans les Saintes Écritures, on dit que quand je vais faire le bien, ce qui s'attache à moi, c'est le mal. Alors je bénis Dieu pour la Bible. Parce que elle me pousse à raisonner de la bonne manière. Et puis arriver à pouvoir se dire, mais comment est-ce que je peux être délivré? Parce que dans la Bible, effectivement, nous voyons des gens qui étaient aussi des esclaves. Qui vivaient aussi la vie que nous menions, effectivement. Mais à cet moment, quand on les a regardés, leur vie était totalement différente. Ils n'étaient plus esclaves de personne. Ni de quoi que ce soit, effectivement. Ils étaient vraiment libres. Donc, il pouvait, hier, il avait la cigarette, effectivement, qu'il pouvait prendre. Mon frère, comment s'appelle notre frère Victor, je peux rendre ton témoignage? Merci beaucoup. Frère Victor, que vous voyez ici, un drogué, avec des injections, effectivement, il ne faut même pas s'en passer, en fait. Victor qui était debout ici. Vraiment drogué des drogués. Avec Houchaka, 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 Houchaka. Quand il checkait, Houchaka, puis dans un autre monde, le pauvre. Il ne pouvait pas s'en débarrasser. Quand il avait une manque, effectivement, il courait partout, effectivement. Il faut qu'on le trouve, effectivement. Tcha, 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 tcha. Mais un jour, il a eu l'occasion de pouvoir venir jusqu'ici. Juste une invitation. Ces jours-là, il a entendu la parole de Dieu. Parce que dans son fort intérieur, quand même, malgré qu'il était des injections, il savait quand même que ce n'était pas la chose qu'il voulait. Mais comment m'en débarrasser? Ce n'était pas possible. Hein? Parce que quelque chose s'était saisi de lui. Et cette chose l'obligeait à pouvoir s'injecter. Quand les gens pensent que lorsqu'on s'injecte, c'est ça l'illusion en fait que les diables donnent aux gens, en fait. Et tout le monde est sous dans cette illusion-là. Mais quand tu t'injectes de la drogue, effectivement, tu te trouves dans les nirvana. Dans un monde où tu n'as pas de problème, c'est-à-dire que pas de soucis, tu es tranquille, effectivement, même si tu avais des problèmes de facture, tous ces problèmes, effectivement, d'argent, tout ça, une fois que tu t'es injecté, il n'y a plus de soucis, tu vis dans un monde planétaire. Mais ce qu'il oublie de leur dire, c'est que quand l'effet de la douze de la drogue se termine, tu redescends, les factures sont là. Tout autour de toi, tu vas trouver les papiers. Si tu ne peux pas envoler comme ça, ils disparaissent. Ils sont là. Tu deviens. Et puis pour bien, ah, il y a une autre injection. Ah oui, tu te. Ah, j'ai oublié les factures. Tu redescends encore, ah, l'autre injection. Donc c'est pour ça que leur bras est rempli d'injections, effectivement. Et par après, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui est détruit. C'est ça qu'on appelle l'esclavage, en fait. Mais un jour, quand il est venu ici, il a entendu qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là s'est fait chair, effectivement, il est venu sous la forme d'un homme. Il est écrit dans les Saintes Écritures, dans Ésaïe, chapitre 61, il dit, l'Esprit l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Ici pour apporter la délivrance aux captifs et proclamer aussi une année de grâce. Oui. Alors quand on entend qu'il y a quelqu'un qui peut te délivrer, parce que j'ai beau prendre des médicaments, la drogue ne me lâche pas. Et les médicaments deviennent aussi une drogue. Donc drogue, drogue, drogue douce, drogue rotide. On se retrouve dans cette condition. Donc, l'esclavage continue simplement. Donc, qui peut me délivrer de
de cette situation-là. Alors c'est là que la Bible nous fait savoir que quand, car Dieu a tant aimé le monde, ah, Dieu a aimé le monde. Il dit que Dieu a aimé l'homme, parce que c'est comme ça qu'il est. Il a toujours aimé l'homme qu'il a créé. Et les problèmes que traverse l'homme et tout ça, ça fait aussi des soucis aussi à Dieu lui-même, pour l'homme. Parce que le désir de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit bien. Parce que, comme je disais tout à l'heure, mais, lorsqu'une mère met au monde un enfant, à moins que la maman attrape la folie qui n'ait plus d'essence, mais chaque mère est protectrice de son enfant. Une véritable mère va tout faire pour prendre soin de son enfant d'une manière ou d'une autre, même si l'enfant est comment, il fera tout pour que son enfant soit bien. Il veillera, ainsi de suite. Vous remarquez très bien, ce sentiment maternel d'une mère, même quand son fils a 40 ans. C'est ça, les enfants disent, mais moi, je suis quand même grandi. Hein. Mais lui, la maman ne te voit pas 40, 50 ans, il te voit toujours son bébé. C'est ça que nous, on doit comprendre. Hein. Quand nos mamans vivent encore, il ne faut pas trop dire, maman, tu es toujours après moi. Et je dis, non, maman, c'est normal. C'est ta maman, il doit être derrière toi, parce que pour elle, même si tu as 40 ans, tu es quand même marié, c'est quand même son enfant. C'est pour ça aussi que les belles mères, les belles filles doivent comprendre. Parce que souvent, il y a une guerre. Mais ta maman, toujours là, ta maman. Mais si tu dis que c'est ta maman, c'est sa maman, ça doit être aussi ta maman. Parce que toi aussi, la belle fille, ta maman aussi derrière toi. C'est pour ça que nous apprenons les choses de la part du Seigneur pour qu'on comprenne effectivement, oui, ce que la maman fait pour mon mari, c'est ce qu'aussi ma mère fera aussi pour moi. Alors si nous restons dans cette compréhension des choses, nous aurons la paix. Il n'y aura pas la guerre. Pourquoi faire la guerre à ma belle-mère ou à mes enfants? Non, c'est tout à fait normal. Et puis nous, on a compris aussi que ma belle-mère, c'est ma mère aussi. Dieu nous aime. Dieu nous met dans des conditions telles que nous puissions être vraiment... Parce que ce que Dieu veut, c'est vraiment la paix. Alors, c'est comme ça que je dis que donc une mère veillera sur son enfant, et même quand l'enfant a 15 ans, même quand l'enfant a 16 ans, même quand l'enfant a 18 ans, parce que souvent chez nous ici, dans notre société ici, quand nos enfants atteignent 18 ans, indépendance, liberté, et puis on entend dire, je vais aller trouver mon compte, sur ma compte, ou mon compte. Je vais aller, là c'est comme ça. Hein. Et parce que c'est quand même triste. Je vais quitter la maison de maman, je vais quitter la maison de papa, je vais aller côté quelque part. Et les enfants ne se rendent pas compte qu'ils font souffrir les parents. Parce qu'un père ou une mère voudrait quand même garder son enfant aussi longtemps. Et que s'il doit se marier, qu'il se marie quand même dans la maison. Et puis de là, et c'est la bonne manière d'ailleurs. Parce que si nous éduquons nos enfants pour qu'à cause des chiffres que le gouvernement a à pouvoir poser, parce que le gouvernement a fait cela selon le passé, mais selon les choses normales. Vous vous rendez compte qu'à 18 ans, on pensait vraiment qu'il faut que la personne s'en aille. Les moments où l'enfant doit s'en aller, effectivement. D'abord, si je donne un exemple. Bon. Entre nous, hein. Papa et maman ont mis leur bébé au monde. Ils n'ont pas mis où dans la rue, mais ils ont mis quand même dans la maison. Donc cet enfant a toujours grandi dans la maison des parents et tout ça, ainsi de suite, effectivement, aussi. Et quand c'était moment à 18 ans, on dit à papa et à maman que non, vous ne devez plus avoir soin de votre enfant, vous le laissez comme il veut, et que la petite ou le petit interdit, doivent quitter les toits maternels ou paternels pour aller où? Prenez le cas d'une fille. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est que une fille est toujours attachée à sa propre famille, surtout à sa mère et à son père, parce qu'elle est créée pour qu'elle puisse dépendre aussi, qu'on en prenne soin. C'est un homme qui est comme ça, va devenir comme ça, c'est normal, parce que l'homme doit, il va pouvoir prendre soin de sa femme. Mais la femme, c'est une personne tendre, elle doit apprendre beaucoup, être aussi entourée, effectivement, et pas laisser, quand vous la laissez dehors, qui va en prendre soin? Qui va continuer à pouvoir l'éduquer, parce qu'elle n'a pas encore appris beaucoup de choses dans sa propre vie?
C'est le chiffre de 18, il faut dire, maintenant on a maintenant à 16 ans, tout ça, c'est pour détruire simplement votre postérité, en fait. Parce qu'elle va quitter là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va vouloir maintenant aller habiter chez une autre personne, dans une autre famille, comme ici la conception, que bon, comme tu as 18 ans, tu dois avoir un petit copain. Et c'est le chemin de la destruction totale. Parce que quand elle quitte chez toi, tu lui demandes d'avoir un petit copain, c'est qu'il doit quand même aller dans la famille du copain. Et les parents du copain vont entre les bras, parce que je parle, je le vis avec la voisine. Ah oui, c'est ce que je me raconte, juste que moi j'ai vu. Je vis cela avec la voisine, donc ma voisine. Alors, elle va chez donc, la maison du copain, c'est-à-dire va trouver les papas et la maman du copain. Pourquoi elle va dans cet endroit-là? Enfin, pour se retrouver effectivement aussi entourée. Mais il a quand même son père. Il a sa famille. Donc vous l'arrachez là-bas maintenant, vous la mettez comme ça, vous l'exposez maintenant à devenir une prostituée. Avez-vous une vie effectivement? Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, l'enfant va être dans toutes les conditions. Les choses qu'il ne peut même pas arriver à pouvoir voir, il va vivre cela. Et vous avez détruit la personne en question. Parce que quand on parle dans des jeux de copains, c'est d'abord, tu vois, on est copains de l'école, effectivement, et paf, boum, vous allez avec la personne, il n'y a pas de garantie. Parce que il va faire ce qu'il a envie de pouvoir faire, et puis il te jette comme un papier, puis il va trouver une autre, effectivement, ça fait boule d'énergie. Et votre enfant, effectivement, aussi, quand il se trouve, effectivement, qu'il est devenu passoire, ça devient problématique pour trouver un homme qui peut l'épouser. Un homme sérieux, parce qu'un homme sérieux qui doit l'épouser, il doit quand même... Parce qu'un homme qui épouse une femme, il n'épouse pas un objet, il épouse une personne dont il doit prendre soin, aimer, parce que les femmes sont des personnes tendres, qui ont besoin de soin. Parce que si vous, frère, vous avez envie de pouvoir vous marier, ne voyez pas seulement... Bon, c'est-à-dire, je dois en prendre soin. Je dois payer quand elle n'est pas bien. C'est moi qui dois arriver à pouvoir me soucier d'elle. C'est moi qui dois faire ceci et cela, effectivement. Je deviens donc son père et sa mère. Toutes ces caprices, c'est moi qui dois arriver à gérer. Ah bon, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, ce qu'on comprend. Alors, c'est pour revenir à ce que nous disons pour maman, hein, qui prend soin de son enfant. Donc, si une mère peut prendre soin de son enfant, effectivement, parce que cet enfant est sorti d'elle, effectivement, aussi, d'en prendre soin. Donc, Dieu qui t'a créé, qui a eu à pouvoir effectivement aussi te former lui-même. Parce que nous lisons dans Psaume 139. Vous nous voulez lire, hein? Psaume 139 ici nous dit. Verset 14, il dit. Non, on va commencer avec verset 12, il dit. Non, verset 13, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. » Donc, c'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait. Cette personne ici qui dit, mais il reconnaît, il dit que c'est Dieu, c'est toi, qui, comme il dit ici, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc nous réalisons qu'effectivement, que avant même que l'on vienne sur cette terre, c'est que Dieu nous connaissait. Donc si Dieu a permis que tu sois sur la terre, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Ta présence sur la terre a un but. Parce qu'on nous dit ici, effectivement, que mes jours, dont les jours qui m'étaient dessinés, tu le connaissais, et tous étaient inscrits dans ton livre à toi. Donc, toi qui es sur cette terre, effectivement, tu dois savoir que tu n'es pas là pour pouvoir vivre les yolé-yolé et faire n'importe quoi. C'est que Dieu, s'il a permis que tu sois sur la terre, c'est parce que tu as quelque chose aussi en tant qu'humain à faire, mais pas n'importe quoi, mais la bonne chose à pouvoir
accomplir. Donc on comprend qu'effectivement que la création effectivement est un acte d'amour, effectivement. Bon, ce qui veut dire que si c'est un acte d'amour, c'est qu'en toi aussi, Dieu a placé aussi l'amour. C'est pour ça que dès l'origine, déjà, on peut voir effectivement aussi comment était donc l'être humain, comme je disais tout à l'heure, que Dieu a eu à pouvoir te créer, te placer sur la terre, effectivement, parce que tu as quelque chose à pouvoir faire. Quand il a créé Adam et Ève, effectivement, il a placé dans le jardin d'Éden, il a dit ce qu'il devait faire. De tous les arbres du jardin, tu peux en manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne manges pas. Donc Dieu a eu à pouvoir d'abord leur dire, effectivement, pourquoi ils étaient là aussi sur la terre. Il dit, cette terre que vous avez ici, dominez sur la terre. Remplissez la terre. Assujettissez donc la terre. C'est-à-dire que l'homme doit être le maître de la terre. Alors, si tu dois être le maître de la terre, c'est les champs qui ne peuvent pas être ton maître parce que c'est de l'herbe. Donc ça veut dire que, c'est pour dire qu'il n'y a aucune chose sur la terre qui doit dominer sur l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé. C'est le but en fait. Que sur cette terre ici, rien ne peut pas dominer sur toi. Toi, tu dois dominer sur toute chose. Mais regardez maintenant le contraire en fait. Maintenant, c'est tout ce que Dieu ne pouvait même pas permettre à l'homme de faire. Ce qui veut dire quoi, que l'homme, que les choses naturelles puissent les dominer. Mais c'est l'homme maintenant qui se laisse dominer par les choses. Il va maintenant trouver des statues, du bois pour s'agenouiller devant, pour pouvoir dire que c'est mon Dieu en fait. Alors, comment est-ce que tu peux arriver à pouvoir penser, réfléchir, qu'un arbre puisse te créer toi? Qu'un arbre, un tronc qu'on a fait là, effectivement, ça soit pour toi, ou même une pierre, comme on parle des Bouddhas, que ça soit un Dieu pour toi, une pierre créée un être humain. Mais on s'agenouille devant la pierre parce qu'en fait, on se remet entre les mains de la pierre. Tout ça, c'est pour que vous puissiez comprendre, effectivement, pourquoi est-ce que c'est important pour l'homme de pouvoir écouter la parole de Dieu. Il faut qu'il réalise d'abord, effectivement, aussi, quelles sont donc les intentions de Dieu à son endroit. Parce que l'homme n'a pas été créé pour qu'il soit comme ça. Parce que si Dieu l'a créé, quand l'homme a eu à pouvoir voir ce que Dieu a fait pour lui, donc dans les jardins d'Éden, il n'y avait rien de mauvais, il n'y avait rien de mal, tout était tellement si bien. Oh mon frère et ma soeur, si l'homme pouvait rester simplement dans la condition dans laquelle Dieu voulait, alors l'Éden serait totalement, complètement encore sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Dans cet Éden, effectivement, où Dieu a placé l'homme, c'est important que vous le compreniez, parce que je vais le dire. L'homme n'avait même pas d'effort à pouvoir faire. Tout le besoin que l'homme avait était là au-devant de lui. Dieu lui a donné, dans cela, il y avait les fleuves, où il y avait l'ordonnix, effectivement. Tout ce qui était nécessaire était à sa portée. Et l'homme, dans cela, il réalisait qu'il avait le bonheur, effectivement. Et je crois que c'est vraiment la chose que tout être humain sur la terre cherche. La paix, le bonheur, la joie, la vie, la bonne santé. Adam ne souffrait d'aucune maladie. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une maladie. Vraiment. Alléluia. Adam n'avait pas de soucis, mon frère. Mais toi et moi, maintenant, nous avons beaucoup, 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 beaucoup de soucis. Et ça, nous crée des problèmes de tension artérielle. Adam n'avait pas de problème de tension artérielle. Donc, même pas le moindre maladie, rien du tout. Il était là, baignant dans le bonheur, effectivement. Parce que c'est pour ça que Dieu avait créé l'homme, qu'il soit heureux, en fait, sur la terre. Quand il regardait à gauche et à droite, il n'y avait pas d'ennui. Les animaux étaient vraiment en harmonie, en ordre, effectivement. Pas de problème. Tout était harmonieux. C'est ça le problème. Alors, quand l'homme pouvait voir cela, effectivement, ainsi, qu'est-ce qui montait dans son âme? L'adoration pour Dieu. Oui, parce que tout ce qui l'entourait, effectivement, était montré. L'amour de Dieu à son endroit. Et puis, cela a touché tellement
L'homme de pouvoir voir que vraiment que c'est Dieu qui l'a créé, il a pensé à son bien-être, effectivement, tout autour de lui, effectivement, pas dans lui, il ne s'ennuyait pas parce que tout était à sa portée. Mais non. Ça, c'est vrai. Mais voilà. À tel point que il était tellement heureux, il n'avait même pas aucune pensée d'autre chose que simplement s'occuper de ce que Dieu lui avait mis dans son endroit, en jouir effectivement et commander à tout ce qui était effectivement cela aussi, les animaux, ceci et cela. D'ailleurs, vous vous souvenez, pour ceux qui sont pour la première fois ici, jamais Dieu n'a donné des noms aux animaux. Non, non, non. Dieu a créé les animaux. Il a montré à l'homme, il dit, mais c'est pour toi que j'ai fait tout ça. C'est Adam, il dit, Adam, donne des noms aux animaux. C'est Adam qui a donné des noms à tous les animaux. Et comme je le disais toujours, je vous dis, mais monsieur, vous dites quand même qu'il a donné les noms, mais j'ai dit, mais ces noms sont restés. J'ai dit, mais bien sûr, j'ai dit, mais prenons l'exemple d'un chien. Quand tu regardes un chien aujourd'hui, tu l'appelles comment? Bon, je prends ce chien-là, je l'amène en Angleterre, je le mets là-bas, vous l'appelez comment? Non, on l'appelle dog. Si en anglais, on l'appelle dog. Mais quand l'anglais dit dog, ça dit que c'est un chien. Il ne va pas dire que c'est un bœuf, c'est une vache. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est toujours le même nom de chien resté chien. Donc quand c'est une vache, même si tu l'appelles, tu l'amènes en Angleterre, ou je ne sais pas, aux États-Unis, on l'appellera. Si vous l'appelez vache, non? Et tu l'appelles en anglais, il va dire c'est un cow. C-O-W. Il ne dira pas ça, c'est un dog. Toujours. Donc chaque animal que Adam a donné son nom, il est resté jusqu'à ses jours. Ça va, mon précieux frère? Que Dieu te bénisse. Alors vous remarquez très bien qu'une fois qu'il a donné son nom, effectivement aussi, donc il était tellement heureux à pouvoir faire s'occuper, il ne pensait même pas. Mais c'est Dieu qui aimait l'homme. Quand il a regardé l'homme était occupé, était tellement heureux, s'occupait de ce qu'il ne pensait pas. Pas de soucis. Mais c'est Dieu qui s'est préoccupé pour l'homme. Qu'est-ce que je dois faire encore de meilleur pour l'homme? Monsieur, madame, mon frère et ma soeur, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la préoccupation de Dieu pour faire quelque chose de bien pour toi. C'est Dieu que tu n'aimes pas, là, que tu penses qu'il n'existe pas, effectivement, il existe. Et les projets qu'il a pour toi, et ça c'est vrai, les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur. Amen. Regardez notre gloria ici. Amen. Pour que vous puissiez dire, notre gloria effectivement est attenée là. Ils ont dit, mais non, parce que tu es madame de couleur, on n'a pas besoin. Et puis tout d'un coup, la dame change. Mais c'est qui fait ça? Mais c'est Dieu. Amen. Et pour lui montrer que c'était Dieu qui le faisait, la dame lui propose la maison. C'est pas une histoire, mais elle est présente là, elle est vivante, et puis son mari est là. Pour lui dire, ah, c'est pas vrai, c'est une histoire. Non, ce sont des choses vraies. Amen. Si on parle des éditions spéciales, alléluia, je vais pas finir. Notre frère Victor le drogué, avec des injections ainsi, effectivement, il a tout fait, les médicaments, ça marche pas. Mais quand il a entendu de ce Jésus de Nazareth, qu'il était capable de changer un être humain, de nettoyer l'homme, il est venu en disant, je l'accepte, je le crois, et je suis même prêt à être baptisé en son nom. Nous avons rempli les baptistères là-bas. On est parti avec, quand quelqu'un s'insère, Dieu agit. On est parti avec lui, effectivement, là-bas, je suis monté, je l'ai pris. J'ai dit, sous la base de ta foi, toi, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je l'ai plongé, je l'ai fait sortir. Et puis il est sorti de l'eau. Il est venu ici. On a prié pour lui. Quand il a quitté ici, il est rentré. Il n'était plus jamais drogué. L'homme, vous savez, les goûts de la drogue, il ne s'est plus jamais injecté une fois jusqu'à ces jours, comme vous le voyez. Sans médicament, monsieur. Drogué des drogués, il est là. Je sais, c'est Jésus-là. Amen. Cet homme de Galilée. Amen. Qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait. Donc
les projets que ce Dieu dont vous dites qu'il n'existe pas, il existe, a formé pour toi et moi. Parce que c'est un Dieu qui aime l'homme. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que le cosmos. Toi y compris. Donc. C'est ça. C'est ça en fait l'acte d'un amour en fait, divin pour l'être humain. Alors comme je disais effectivement aussi, lorsqu'il a regardé cet homme-là, Adam, il dit mais il est tellement là, c'est donnant dans les choses, effectivement. Je voudrais vraiment chercher qu'est-ce qui peut encore lui faire plus plaisir, parce qu'il est obéissant, il s'accroche à moi, effectivement, il aime, il fait ce que je demande de pouvoir faire. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Ce n'est pas Adam qui est allé voir, mais je m'ennuie, donne-moi quelque chose de plus pour que ça puisse encore m'occuper. Non! L'homme, il avait tout, mais il ne pouvait pas imaginer qu'il avait, que dans son intérêt, il va encore avoir besoin de quelque chose de plus. Mais c'est Dieu qui voulait te donner le meilleur, mon frère. C'est la vérité, mon frère et ma soeur. Toi, tu ne vois pas, mais Dieu veut donner encore plus, le meilleur encore. Oui, c'est la vérité. Alors toi, occupe-toi simplement de s'occuper de lui, de ses affaires, effectivement. Comme la Bible dit, effectivement, recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses seront données par. Voilà. C'est la vérité, ça. C'est Dieu. Il aime tellement le bonheur de l'homme. Et quand tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est encore une préoccupation continuelle. C'est pour ça, ne t'inquiète pas. Nous l'avons entendu dans le psaume. Et dans le psaume, on entend, mais que 10 000 campent à ta droite et à ta gauche, ne crains pas. Ça peut tourner autour de toi, tu vois que vraiment je ne vois plus très bien, c'est comme si l'océan est en train de tanker. Je suis déséquilibré. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'il calme la tempête, mon frère. Il t'a dit, si tu marches les eaux ne submergeront point. Et la flamme, oui, parce que je t'aime, je te connais par ton nom. C'est pour ça qu'avec une grâce particulière de connaître ce Dieu, qui peut prendre soin de mon âme, il se soucie de mon âme. Amen. Le monde se soucie de ton extérieur, mais regarde-toi bien, ceci et cela. Mais l'extérieur est passager. Mais Dieu s'occupe de ce qui est éternel, à toi, là-dedans. Amen. Il veut te donner une joie éternelle. C'est 100% la vérité. Une délivrance éternelle. Parce que quand tu es délivré par lui, c'est fini. Personne, ni aucune cigarette, ni aucune bouteille de bière, effectivement. Tu ne peux plus être esclave d'une boisson quand même. C'est maintenant toi qui domines. Amen. Aujourd'hui, tu peux apporter une petite goutte de drogue à mon frère là-bas. Il dit, mais Victor va te regarder. Il dit, mais tu ne te rends pas compte, même si tu l'amènes ici, ça ne peut même plus entrer chez moi. Pourquoi? Parce que Victor maintenant contrôle. Amen. Yes, à le contrôler. Mais maintenant, il a reconnu qu'il est un fils de Dieu. Il a reçu le pouvoir qui donne d'être libéré. C'est à toi de dominer. Maintenant, il agit en tant que fils. Il a l'autorité de son père. Il domine sur l'herbe, il domine sur tout. Et ça, c'est vrai. Il domine sur les démons. Parce que derrière cette influence-là, il y a un mauvais esprit. Et quand tu es possédé par cet esprit-là, c'est celui-là qui t'influence, qui te contrôle. Or, toi, tu as été appelé à contrôler, à dominer sur toute chose. Et c'est en Christ maintenant que nous avons été restaurés pour récupérer. C'est pour ça que nous n'avons plus peur de quoi que ce soit.
Et ça, c'est vrai, ça. Dans Psaume 34, on nous dit quelque chose. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre. L'arme de l'Éternel campe autour de ceux qui. Pour les arracher de quoi? Donc ça veut dire que je marche sur le chemin. Je sais où je me tiens. J'ai l'assurance, effectivement. Je ne peux pas marcher aujourd'hui sans savoir qui je suis, où je vais. Si je ne sais pas ce que je fais, où je vais, il y a quelque chose d'autre qui dominera sur moi. Je dois être sûr de qui je suis maintenant. Pour que celui qui s'éteindra en face de moi, il doit savoir qu'il y a cette personne ici. Quand je parle en face, je parle des démons. Il dit que cette personne ici, il sait qui il est. Parce qu'en lui, il a l'autorité de me chasser. C'est pour ça qu'il dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Donc ces démons-là, qui influençaient effectivement ceux qui pouvaient dominer sur toi. Eh bien, le pouvoir, nous l'avons. Donc effectivement, c'est qui? Parce que le diable, c'est un usurpateur. Tout ce que vous pouvez savoir, parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais toutes les saletés possibles que vous ne pouvez même pas imaginer, c'est ça le domaine des démons. Donc, je dis bien, toutes les saletés que vous pouvez arriver à pouvoir imaginer, c'est le domaine. Les démons ne vivent qu'avec des saletés et là où il y a des saletés. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans les ténèbres. Mais Dieu, c'est l'excellent de l'excellent. Il est donc la lumière. C'est pour ça qu'il dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. Donc le lieu où il se trouve, c'est le lieu de la sainteté, du bonheur. Tandis que les lieux où les démons se trouvent, c'est tout. Jamais, il faut que vous puissiez bien comprendre, jamais un démon ne peut vous apporter le bonheur. Et comme si, pour ces gens, se disent, parce que bon, je vais seulement prendre quelques exemples, je vais sauver le temps pour que vous puissiez aussi. Comme vous pouvez le remarquer, souvent, dans ce monde ici, chaque être humain se bat beaucoup plus, tout à chacun, si j'en avais déjà parlé ici, pour les problèmes d'argent. Voyez combien Satan tient les hommes dans sa main avec les problèmes d'argent. Vous ne pouvez pas vivre sans argent. Et quand vous n'avez pas, vous êtes troublé. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est ça l'homme, effectivement. Et il est malin. Il te dit, toi, dans ton esprit, dit, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le bonheur. L'argent donne le bonheur et tout ça, effectivement. Alors moi, je vous pose la question. Asseyez-vous un tout petit peu. Est-ce que l'argent vous a déjà donné le bonheur? Oh, frère, quand même, hein. Et si j'ai l'argent, ben, je vais m'acheter une grande maison avec beaucoup de chambres. Je peux me prendre au moins 150 chambres, tout ça, c'est grand. Puis j'ai un petit château là, puis une grosse voiture là, comme on appelle, c'est pas la plus grosse, la plus petite, c'est le Rolls Royce, effectivement. Mais je serai heureux. Et là, quand vous entrez dans la Rolls Royce, quel bonheur le Rolls Royce va te donner? C'est quelque chose qui a des pneus. Pour aller au marché, tu vas aller au ressource au marché. Mais tout le monde ici, même celui qui a vélo, il peut aller au marché. Illusion, nous dit. Donc, tu as besoin d'un château avec 150 chambres, mais tu n'es qu'un monsieur. Comment tu vas dormir dans les 150 chambres? Ce n'est qu'une illusion. C'est quoi que tu as un pied dans la première chambre, l'autre pied dans la deuxième chambre, les bras dans le quatrième, les ventres dans le deuxième. Non, ce n'est pas possible, là. Ça ne sera jamais dormi, là. Tu ne dors même pas bien parce que tu es là comme ça. Passera même pas une bonne nuit. Tu as besoin d'une chambre avec un petit lit. Dans
les 150 là, avec l'illusion de ce que ça me rend heureux. Pas du tout. Non. L'argent ne me rend pas heureux, en fait, ici. Je fais pas le bonheur d'un être humain. Parce que, je le disais aussi, comme vous le savez, quand tu as 1 million, tu dis, j'ai beaucoup d'argent, tu vois, je suis enrichi, je suis riche, j'ai au moins 5 millions, 6 millions. Ce que je veux aujourd'hui, c'est gagner au loto, comme on appelle la régulation de loto. 20 millions, quand on regarde ça, les étonnants, Seigneur, je peux gratter les numéros quand même. Hein. Il y en a de ceux qui pensent, il faut aller prier pour que Dieu t'inspire les numéros. Pour un... Mais tu te trompes, Dieu n'est pas dans les choses de hasard. Hein. Les choses de hasard, c'est dans les mains des démons. N'y pense même pas, ma soeur. Quand tu as dit, Fatih, frère, tu dis, je vis le 13 et le 13. Ah, et je vais louer, ça va faire 20 millions. Oh, frère, si j'ai 20 millions. Il fait ça, évidemment, tu es dans le trou. C'est les démons qui contrôlent ça. Les jeux du hasard. Nous, nous ne sommes pas des gens qui font de hasard, nous sommes des gens qui sont certains. J'ai un problème. Et je me mets à genoux. Vous savez, je vais vous rendre ici un petit témoignage. Vous vous aimez bien? Mon épouse était tombée malade. Mais vraiment malade. Vous ne savez pas tellement très bien. Parce que je venais juste pour me marier aussi. Vous ne savez pas très, très bien. La pauvre là, elle dit là-bas, son ventre problématique. Et on a été dans tous les hôpitaux. En fait, on a été d'abord à Brookman. On a fait tout ce qu'il y a à pouvoir faire de recherche, on a pas la les ont déclaré. On a fait tous les examens qu'on peut faire, on a tâté partout, on a fait dans les chambres, de ceci et de cela, aussi. Ah, donc, comme on ne trouvait pas très bien, on se soupçonnait des maladies un peu dedans, donc on devait la garder à l'hôpital. Mais la garder à l'hôpital, ça veut dire qu'il fallait payer aussi les factures. Moi, étudiant, journaliste, jardinier. Travailler dans les jardins pour creuser, pour tondre les pelouses, couper les branches des arbres ici, je fais ça. C'était le job que je faisais, quoi. Et dans ces jobs-là, tu étais tantôt payé, tantôt pas payé. Alors, la facture est sortie, parce qu'elle a fait plusieurs mois dans l'hôpital. Parce que comme elle était à l'hôpital, évidemment aussi, on ne pouvait pas la gêner, parce que c'est quand même non assistante en personne, hein. Vous connaissez ça aussi. Donc, on devait à soigner donc, avec l'espérance que la facture va être payée. Et puis j'ai reçu une facture de, oui, à l'époque, c'était 800 000, je connaissais encore les francs belges. 800 000 francs belges, c'est plus ou moins 1 million de francs belges. Un jardinier. Un étudiant jardinier. Il ne gagnait même pas si c'est 1000 francs belges, c'était des gratinages. Et on dit, monsieur, voici la facture pour votre femme. Alors je dis, bon, comment? On avait aussi une mutualité, donc je suis parti donc à la mutuelle. On payait tous les mois, dans cette seconde fois que j'ai payé quand même la mutuelle. J'ai déposé la facture à la mutuelle, je rentre, je dis, on m'appelle, non, monsieur, vous pouvez venir. J'ai dit, oui, madame, c'est que c'est la facture. Oui, monsieur, mais il y a un problème. On ne peut pas, nous, la mutualité, on ne peut pas payer votre facture de 800 000 quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, monsieur. Mais je lui dis, j'ai toujours payé. Il dit, non. Tout le temps que vous venez payer ici, vous ne payez pas les cotisations de mutualité, vous payez les extras. J'ai dit, madame, qu'est-ce que c'est que les extras? Il dit, les extras, c'est quand on a déjà une mutuelle, qu'on paye une régulière. Mais en fait, quand on veut prendre une assurance complémentaire, vous payez les complémentaires. J'ai dit, madame, moi, quand je venais ici, je venais vous payer. Quand même, je ne vous avais pas dit que c'était des extras. Maintenant que la facture est venue, vous me parlez des extras. Bon, je ne peux pas. Ah non, on ne paye pas. Et on a envoyé les messages à l'hôpital. On ne va pas payer donc la facture, effectivement, ce montant-là. Pour madame, l'hôpital, là, on m'appelle évidemment aussi de monsieur. Bon, comme votre femme, vous n'avez pas payé. On ne peut plus continuer à faire des examens et tout ça, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous soyez, il faut qu'on paye, parce que vos mutualités ne veulent pas payer donc la facture. J'ai dit, mais vous la laissez mourir, donc vous me dites, monsieur, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas si on continue à pouvoir faire des frais qui va payer. C'est ce que j'ai vécu. Alors quand j'ai entendu cela, je l'ai regardé à la fois, Dieu. Je suis retourné chez moi à la maison.
j'ai pris la natte. Vous connaissez la natte? Vous connaissez, c'est, j'ai mis par terre. Les lits, je ne montais plus. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu. J'ai dit, je me mets à genoux. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas l'argent. Mais tu as dit que tout t'appartient. Aujourd'hui, quel est ce monsieur que je peux aller frapper? Pour, même si je dis, je vais me vendre en esclavage. Mais qui va m'acheter? Eh bien oui, c'est ça le problème. Personne ne peut, mais c'est vrai, jamais il est passé, jamais dit, personne ne peut m'acheter pour que je puisse avoir l'argent pour payer pour mon épouse. Mais je sais que toi, ce que je vous dis est 100% vrai, c'est que toi, tu as la capacité de pouvoir réellement payer ces factures-là. Je ne sais pas comment, je n'y pense même pas. Parce que je dis, tu ne vas pas me laisser comme ça. Ni laisser ta fille comme ça. Parce que c'est toi qui es Dieu. Et j'ai continué à pouvoir prier. J'ai couché par terre. Et puis, troisième jour, je termine mon geste. Le lendemain, j'avais encore un téléphone. Je n'en ai pas. Vous êtes monsieur l'officier? Moi, je dis, oui. Ici, ce que je vous dis est 100% vrai. Ici, la mutualité. Je dis, ah, madame, oui. Vous m'avez déjà refusé la facture. Qu'est-ce que vous me demandez encore? Que vous voulez encore refuser que je vienne au bureau? Je dis, monsieur, non. On vous appelle parce que quand on est resté, ça commence à nous travailler. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, oui, hein, votre dossier a commencé à nous travailler. J'ai dit, Seigneur, tu travailles le cœur. Et alors, madame, c'est quoi qui est la raison? Je dis, monsieur, on veut vous faire une proposition. Moi, je dis, en rapport avec, mais parce qu'on pense qu'on pourrait quand même voir comment payer votre facture. J'ai dit, alléluia. Ah, j'ai dit, je vous écoute, madame. Il dit, bon, écoutez, messieurs, comme nous en avons parlé, effectivement, vous avez, vous venez, vous n'avez pas, il y avait des problèmes de cotisation. Dit, mais on va vous demander une chose. Est-ce que si vous, vous nous payez, c'était un montant de 7000 francs belges. Vous connaissez le problème jardinier, non? Il dit, mais si vous nous payez 7000 francs belges, alors nous, nous réglons votre dossier et nous, nous allons payer les 800 000. Il me dit, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit, madame, c'est même pas une question à poser. J'ai dit, je suis d'accord. Et c'est comme ça que je me suis battu pour avoir les 7 000. J'ai donné et les 800 000, ils ont payé. Voyez-vous, nous avons un Dieu qui est vraiment vivant, mon frère. Parce que c'est Dieu, il connaît tes besoins. Quand tu t'accroches à Dieu, effectivement, tu dis, Seigneur, je n'ai point d'autre personne que toi, qu'importe. Même si quelqu'un t'a créé des problèmes financiers, il est détruit de ses frères, ça. J'ai appris beaucoup de choses avec ces dieux. Toi, remets-toi entre les mains du Seigneur, même si on t'a dépouillé, n'écris pas. Dis, Seigneur, c'est toi, tu connais mon besoin. Il va agir pour toi, mon frère et ma soeur. Il est fait même dans le moindre détail. Oui. Qu'on soit de chacun de nous, effectivement. C'est pour ça que, dit que les projets que c'est Dieu a formés pour vous. Toi et moi, nous ne connaissons pas le futur. Nous ne voyons pas plus loin que ce que nous sortons, nous voyons aujourd'hui. Parce qu'on dit que demain ou après-demain, j'ai les projets de 5, d'un an ou 2 ans. Mais qui te dit que tu vas arriver à cela? Le seul être qui peut connaître demain, c'est celui qui forme demain. Parce qu'il n'y a aucun esprit. Satan n'a même pas le contrôle du demain. Je veux que vous puissiez savoir. Satan n'a pas le contrôle de demain. C'est lui qui a le contrôle de demain. C'est celui qui forme demain. Alors c'est celui qui contrôle toutes choses. Voilà pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Donc, en dehors de lui, il n'y a aucune puissance qui peut dominer. Effectivement.
C'est pour ça qu'il a regardé Adam et lui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jamais dans la conception d'Adam, on pouvait penser qu'il y avait encore quelque chose encore de meilleur que je peux encore avoir sur la terre. Parce qu'il s'est contenté de ce qu'il avait. Il n'avait même pas ça dans son subconscient, même dans la mémoire, effectivement, rien du tout. Mais c'est Dieu qui a pensé encore à lui. Je vais lui donner encore quelque chose de meilleur. Ne limitez pas Dieu, en fait. Vous souffrez aujourd'hui. Vous passez des moments difficiles dans votre marche. Si vous saviez que c'est Dieu-là qui t'a créé, il se tient là parce qu'il a aussi la solution à ton problème. Tous les tourments, tous les tracas que tu peux arriver à pouvoir avoir, effectivement, si. Donc, il a déjà la solution à ton problème. Avant même que tu puisses même penser à cela. Parce que si nous réfléchissons très bien, effectivement, de la bonne manière, quand la Bible le montre, il dit, mais c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Et tous les jours qui m'étaient dessinés, avant qu'aucun d'eux existât, je les connaissais. Donc, s'il les connaissait, c'est qu'il savait aussi par quoi tu allais passer. Ça, le diable ne le sait pas. Parce que le diable ne peut pas savoir ton futur à toi. Ce n'est qu'un ange déchu, en fait, limité. Il n'est pas Dieu. Mais par contre, Dieu est le créateur, donc avant qu'il crée, il voyait déjà la fin de la chose. Parce que s'il ne voulait pas avoir le contrôle de la chose, il ne voulait pas le créer, mon frère. Même l'ange de Dieu, effectivement, il savait que cet ange-là allait se révolter. Il avait mis les limites. C'est pour ça que, malgré ce qu'il peut penser, il ne peut rien faire. Satan et les démons ne peuvent rien faire sans que Dieu le permette. C'est pour ça que nous qui sommes délivrés, ni la cigarette, ni la bière, ni le monde n'a pas de pouvoir sur nous. C'est plutôt nous qui contrôlons, en fait, les choses. Donc, les projets que Dieu a formés pour chacun de nous ici, mon frère, ma soeur, toi qui es fils et fille de Dieu, sois heureux. Amen, amen. Sois vraiment heureux. Amen. Pousse des cris de joie. Glorifie, oui, avec vraiment force, mon frère. Glorifie ton Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, monsieur. Parce que rien ne peut plus avoir le dessus de toi. Sœur, crois-le. Oui, mon frère, crois-le. Même si tu passes par une souffrance, le Seigneur est là présent pour te délivrer de ça. Il t'a déjà délivré, mon frère. Hier, tu pleurais parce qu'il y a un problème qui t'est dépassé. Aujourd'hui, tu chantes parce qu'il t'a donné. Il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Invoque-moi dans ta détresse. Que Dieu te bénisse. Vous entendez la main là? C'est que derrière, il y a une édition spéciale. Oh, frères et sœurs, ce que Dieu est en train de faire est au-delà même de la conception de l'être humain. Il a dit, il est l'éternel Dieu qui essuie tes larmes, en fait. Quand tu pleures pour ces problèmes que tu ne sais pas s'en sortir, ah, je ne sais pas avoir des bébés. Mais Dieu a prouvé déjà des bébés pour toi. Tu ne sais pas avoir ceci, mais Dieu l'a déjà prouvé pour toi.
ce qu'il te demande, toi. Il nous a dit, hein, il dit, mais ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude crée des problèmes, en fait, dans le cœur de l'homme. L'inquiétude ne vient jamais de Dieu. Ça, c'est ce que Satan, en fait, bon. Mais au devant, ah, et si, ça va se passer, tu vas voir ceci, il va se passer, tu vas avoir des problèmes, on va créer des problèmes. Mais les problèmes, on peut m'en créer. Je suis dans un monde, effectivement, où les démons, effectivement, les gens, et tous les hommes, vous créez des problèmes. Je ne marche pas en ayant peur de problèmes. Non. Je marche en étant sûr que le problème, ça va venir. Mais j'ai déjà vaincu le problème. Mais peut-être que vous me regardez en me disant, mais comment tu peux dire cela? Mais c'est la vérité, ça. C'est la vérité. Mon frère, même toutes les insultes qui peuvent venir et tout, même qu'on puisse même appeler une armée tout entière contre toi. Quand une armée camperait même contre toi, je ne serais nullement. Vous le croyez? Quand même, on amènerait tout le problème à terre. Parce que les problèmes viendront. Vous l'avez entendu, non? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, chaque fois que le malheur vient, la délivrance vient. Pour cela, il faut que tu puisses connaître le Seigneur et craindre le Seigneur. Tu as la crainte de Dieu, sûr et certain, que réellement, que, alors à ce moment-là, son ange campe autour de toi. Quand tu marches désormais maintenant sur la route, même quand tu vas chercher des maisons, de travail, tout ça, n'aie jamais peur. Oh, que tu vas arriver là-bas, on va sélectionner. Bien sûr qu'on va sélectionner les autres. Mais toi, tu auras du travail. Amen. Vous connaissez le frère Riviera, non? Oui. C'est ça. Vous connaissez notre soeur Violetta et les enfants. Toujours été dans la maison de Dieu ici, les enfants chantaient. Alors, toutes les décisions, le gouvernement a dit, mais toi, Riviera, toi, Violetta, mon enfant, partez. Alors, il dit, mais nous avons un Dieu. Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Oui. Il y en a d'autres qui ont été embarqués dans les avions, qui sont partis. On pouvait aussi venir chez eux aussi, les enfermer aussi, encercler aussi, parce que les amis, on va les prendre, vous devez partir effectivement par des recours. On a fait les recours, on refuse les recours, et on vous prend, et on part avec. Mais ils ne savaient pas que Riviera, Violetta, c'était fils et fille de Dieu. En fait, nous vous donnons ce témoignage pour que vous ne puissiez pas penser qu'on parle en vide, dans l'air, que ce Dieu-là, il n'est pas présent, il ne fait rien. On vous donne des témoignages, des preuves à l'appui, avec des gens, étant des humains comme vous, qui sont passés aussi par le feu. Mais à cause de la confiance et la foi en ces dieux, ils avaient aussi des choses comme tous les yeux. Normalement, non, monsieur, vous devez partir. Mais moi, je ne pars pas, puisque Dieu ne m'a pas dit de partir. Si Dieu a permis que je quitte là-bas mon pays maintenant, il m'a donné un lieu pour pouvoir le servir. C'est pour que je puisse être là pour le servir. Il m'a dit aussi que toute arme forgée contre toi sera donc sans effet. Donc moi, un fils de Dieu, même quand on élève les armes de pouvoir, ceci et cela, il n'y a pas d'inquiétude. Ce que Dieu attend de moi, c'est la foi. L'assurance, la certitude. Et si j'ai de confiance, là, effectivement, je traverserai avec lui. Nous avons tous dansé ici. De voir que Dieu nous a redonné notre sœur Violetta, notre frère Riviera, et encore en plus, il leur a donné du travail. Je n'ai pas vraiment entendu beaucoup d'amen de votre part. C'est pour ça que j'ai dit effectivement aussi, mon frère et ma soeur,
peu importe. Toi, sois sûr et certain que tu l'as accepté. Mais qui est Jésus de Nazareth? Le Jésus de la Bible. Comme ton sauveur à toi, ton maître à toi, dans ton âme à toi. Et qu'il puisse trouver place là-dedans. Le restant, c'est lui qui s'en occupe. Donc, quand je me lève le matin, avant de sortir chez moi, je louerai bien ma journée. Seigneur, je vais partir. Je vais aller fatiguer. Seigneur, mon Dieu, sors devant de moi. Conduis-moi là pour que je fasse ta volonté. Sors devant moi. Entoure-moi par devant. Là où je manque, pardonne-moi. Mais je veux vraiment que tu m'aides, effectivement. Quand vous sortez, les démons tremblent. Vous ne les voyez pas, mais les démons tremblent. Parce que toi, tu es un appui. Et tu sais qui tu es, effectivement. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, que tout ce qui peut arriver, parce que ça arrivera le problème. Tout ce qui peut arriver comme problème sur le chemin, tu as quelqu'un qui se dresse pour toi. Alors comme je disais tout à l'heure, effectivement, que en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, sois sûr et certain que tout ce qui peut t'arriver, toi, tu en as déjà la victoire. Les problèmes dans ta famille, tu as la victoire. Amen. Les problèmes au travail, tu as la victoire. Amen. Avec les voisins, tu as la victoire. Amen. Avec le tout, tout mal, tu as la victoire, mon frère. Amen. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Amen. Qui triomphe de ce monde. Amen. Le cosmos. Oui, le cosmos. Ah, frère, cosmos, bien sûr. Il y a eu un fils. Quand il était arrivé quelque part, effectivement, où il y avait, il était impliqué dans la bataille, effectivement, l'ennemi qui l'attaquait. Alors, la nuit commençait à pouvoir s'annoncer pour que les ténèbres, comme l'ennemi, c'est toujours les ténèbres qu'il aime, effectivement. Alors, il s'est rendu compte qu'il était un fils de Dieu. Et comme fils, il pouvait contrôler tout. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Je regardais, moi, en mettant sur la terre, effectivement, aussi en calculant la distance entre la Terre et le Soleil, je crois que c'est 9 milliards de kilomètres, juste comme ça. Si je me trompe, ceux qui connaissent bien, vous me direz, mais c'est des millions de kilomètres. Des millions, donc, de kilomètres. Mais moi, je vous pose la question. J'avais dit une fois, je suis ici, moi. Alors, ma maison est à Denderleu, en Flandre. Alors j'ai dit, voisin, ferme ma grille là-bas. Est-ce que vous pensez que mon voisin, ma voisine va entendre? Et pourtant, d'ici, Denderleu, c'est plus ou moins 35 kilomètres. Je peux sortir là-bas. J'ai dit, voisin, ferme la grille chez moi. Je l'ai oublié ouverte. Je vais retourner chez moi, la grille sera toujours ouverte. Mais cet homme ici, je suis. La terre et la lune, effectivement, le soleil, des millions, des milliers de kilomètres. Il s'est tenu, vous dites, soleil! Arrête-toi! Ne te couche pas, soleil! Alléluia! Lui, il était sur la terre! Le soleil là-bas, tu vois, des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres, millions! La Bible dit, quand il cria, le soleil s'arrêta! Le soleil a entendu la voix d'un homme. Il obéit. Il n'a plus fait sa course. C'est notre foi qui triomphe. Tant qu'il n'y a rien qui te soit impossible en tant que fils et fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous en prière. Tendre Père et précieux Sauveur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci vraiment pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Nous avons quelque chose de particulier que tu nous as donné, Seigneur. C'est ce don de la foi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La foi en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous réalisons que peu importe ce qui peut nous arriver, Seigneur. Oh Dieu, que 10 000 campent à notre droite ni à gauche, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous savons que
nous ne serons nullement atteints. Peu nous importe les problèmes qui peuvent venir, mais nous savons que dans tous ces problèmes-là, Père Saint-Dieu, merci. Ce problème, effectivement, nous avons vraiment la victoire. Gloire à toi pour ce que tu fais, Seigneur. Gloire et honneur à toi pour ta bonté, ton amour et ta grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es réellement notre Dieu. Tu es réellement notre roi. Nous rendons gloire à ton Seigneur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens-nous, Père Saint-Dieu, et accorde-nous la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Va réellement aussi nous accrocher à toi. Voici ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi entendre que tu prends soin de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans tout le moindre détail, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et quand même les malheurs viennent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu es la solution à nos problèmes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La Bible dit que les malheurs atteignent souvent les yeux, mais Dieu, nous a délivré de la bataille, mon bien-aimé Père Dieu. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, mon roi. Nous sommes plus que vainqueurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous n'avons peur de rien, mon bien-aimé Père Saint. Le monde ne peut plus rien nous faire, mon roi. Nous rendons gloire à ton Seigneur, mon bien-aimé Père Dieu. Fortifie ton peuple, mon roi. Qu'il soit heureux, mon bien-aimé Père Saint. Qu'il n'ait peur de rien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, Père Saint, dans ces bas mondes, nous avons la victoire, mon bien-aimé Père Saint. Dans ces mondes, mon bien-aimé Père. Oui, c'est vrai, Seigneur. Nous sommes heureux, mon bien-aimé Père Saint. Nous sommes plus que capables, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ce que tu as dit à notre roi sauveur. Béni soit ton Seigneur encore aujourd'hui. Soutiens mon frère et soutiens ma soeur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu vois les temps, tu vois les jours que tu nous as donnés, Père. Merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Merci encore pour tes compassions. Merci encore pour ton amour. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Fortifie la foi de mon frère et ma soeur, Seigneur, tu nous as fait entrer dans cette année, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, nous sommes vraiment heureux et nous y sommes rentrés avec la foi, Père Saint-Dieu, parce que toi, tu feras des exploits, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans notre marche, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, enlève les doutes. Enlève, Père Saint-Dieu, mais tu as la peur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mettez-nous encore cette foi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce qu'avec la foi, nous ferons beaucoup d'exploits. Avec la foi, il n'y a rien qui soit impossible, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens chacun de nous, Père Saint-Dieu. Garde ton peuple, mon roi. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, tous ceux aussi qui sont venus aussi pour la première fois, qui sont venus aussi de loin comme de près. Seigneur, que tu le bénisses, mon roi. Je te remercie. Je rends gloire à ton Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Qu'il le bénisse richement. Merci beaucoup, mon roi. Qu'il soit béni. Vous pouvez vous asseoir une minute. Et je remercie les Seigneurs parce que quand je lève mes yeux, je vois dans le fond, c'est notre frère Emmanuel, à moins que je ne me trompe pas. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Et je vois mon frère Vincenzo là-bas qui est derrière avec sa famille. Que Dieu te bénisse, sois le bienvenu. Normalement, tu dois venir même devant, mon gars. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Nous devons garder la foi. Amen. Et le diable ne pourra plus jamais vaincre qui que ce soit, même pas les démons. Parce que par la foi, dit à mon nom, ils chasseront les démons. Et Dieu nous a donné cette autorité. En tant que fils et fille de Dieu, rien ne peut dominer sur vous. Amen. Quand vous sortirez d'ici, ayez cela en vous. Amen. Que nous avons la puissance, Amen. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, et toutes choses pour nous sont possibles. Amen. Comme il a dit, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Notre précieux frère Pascal Soupé, je l'ai eu au téléphone. Effectivement, il m'a dit qu'il a perdu son père. Et donc, il a perdu son papa hier. Dieu a donné. Dieu aussi a repris. C'est ce que Dieu décide, effectivement. C'est ce qu'il a décidé aussi. Alors, nous prions pour lui, que le Seigneur le fortifie, qu'il le console, qu'il le soutienne, et qu'il vraiment console aussi toute la famille entière. Et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Et tout ce que Dieu fait pour nous est toujours bon. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Nous allons prier pour notre frère, merci. Tendre Père et précieux Sauveur, et voici devant ton trône de grâce, réalisant combien tu es merveilleux, Père. Merci parce que tu es venu mourir, oh Dieu, en fait de vaincre la mort, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nous donner effectivement, oh Dieu, la vie éternelle. Et c'est pour ça que tu as dit que celui qui croit en moi, oh Père, vivra quand bien même il sera mort. Même s'il croit en moi qu'il est vivant, il ne mourra jamais. Merci encore pour ta parole à toi. Merci encore pour tes promesses. Tu l'as confirmé, Père Saint-Dieu, quand tu es venu sur la chair. C'est la terre de la chair d'un homme, Père Saint-Dieu. Et tu as donné ta vie à toi. Tu l'as repris. Tu es ressuscité le troisième jour. Et tu as dit que tu as vaincu la mort, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous en sommes bénéficiaires de cela, Père. Nous prions pour notre bien-aimé frère, pour
qu'il soit consolé pour sa famille, pour sa maman, mon Dieu, pour ses frères et pour ses soeurs aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Rien pouvoir perdre leur père. Seigneur, console notre précieux frère Pascal Choupé, qu'il soit vraiment fortifié encore davantage, mon roi. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour voir pour ce besoin. Car nous t'avons ainsi demandé. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, la victoire, nous avons. Et pour sa gloire.